Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernière vidéo de l'année 2017. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je souhaitais également la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne. Donc je ne pouvais pas partir sans vous poster une dernière vidéo. Nous avons déjà passé une année ensemble et pour ça, je vous en remercie. Voilà, ça fait toujours plaisir et sachez que ça me touche énormément. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite tenue du 31, voilà ce que je vais porter, et un stick, un petit make-up. Si cela peut vous donner des idées, asseyez-vous, prenez un thé, un café et vous êtes la bienvenue. Si ça ne vous plaît pas, je vous dirai de zapper et d'aller voir sur une autre chaîne. Voilà. Donc, pour commencer, vous allez voir que moi, je ne suis pas paillettes, strass et tout tralala. Je suis quelqu'un, voilà, très sobre, parce que j'estime que voilà les pièces que je si je veux acheter des pièces pour les fêtes, j'ai envie de les remettre dans l'année. Voilà, je veux pas acheter, voilà, ça va être très simple et très sobre à la fois. Donc je vais me rapprocher, vous allez voir comment j'ai réalisé ce make-up. Je vais vous expliquer les produits que j'ai mis. Je n'ai pas mis d'highlight. Voilà, je voulais terminer avec vous et vous faire voir comment je le posais. Et puis je vais vous parler un petit peu de mes accessoires, de mon haut, de mon bas, et puis de mes chaussures que je porte. Voilà, let's go, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important. Je vais vous taquiner tout au long de cette vidéo. J'ai envie, c'est la dernière. Et oui, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, j'ai envie. Donc, par contre, là, c'est très sérieux. Si vous avez envie de me rejoindre sur mon univers et ainsi que sur tous mes réseaux sociaux, à la fin de cette vidéo, vous allez voir ma petite tête, It's me, sur le côté, voilà, en haut ou en bas, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez être directement abonné à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Et ainsi, vous pouvez également, quand je ne suis pas sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Instagram et Snapchat, où là, on se fait des petits délires et vous en savez un peu plus sur ma vie. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, c'est parti, let's go. Donc, au niveau de mon make-up, donc vous savez que là, ça va être le 31, donc ça va être le réveillon. Certaines d'entre nous vont passer une longue nuit et le lendemain, il y a certaines personnes qui sont invitées le premier et c'est un peu dur dur. Donc, au niveau du make-up, on n'est pas forcément au top de sa forme. Donc, pour commencer, moi, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai mis ma routine comme d'habitude, ma crème, mon sérum et tout ça. Avant de mettre mon fond de teint, j'ai mis le baume Beauté Éclat de chez Clarins. Ce produit est révolutionnaire et top, on n'en parle pas assez. Ça, c'est un produit que j'ai déjà acheté et que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'étais contente de pouvoir le recevoir. C'est vrai, j'y pensais plus. Donc, ça, c'est le coup de baguette magique. Vous êtes fatigué, vous avez les traits tirés, même en semaine, ce que vous voulez. Et voilà, voilà, votre make-up va pas tenir ou quoi. Vous mettez cette petite crème-là juste après votre routine. Et vous appliquez juste après votre fond de teint. Vous allez avoir votre teint lumineux, repulpé, comme si vous aviez dormi 8 heures. Si vous voulez avoir de plus d'efficacité dans le temps, vous pouvez l'appliquer aussi en masque. Vous pouvez l'appliquer 10 à 15 minutes. Voilà, si vous le souhaitez, si vous avez du temps. Voilà, et après, vous venez retirer l'excédent avec un coton et vous mettez votre fond de teint. Et ça, franchement, c'est révolutionnaire, je peux vous l'assurer. Je l'ai mis aujourd'hui. Ensuite, au niveau de mon fond de teint, j'en ai mélangé deux. Donc, j'ai reçu de la part de Clinique. D'ailleurs, j'ai des codes promo hein, si vous voulez aller voir. Donc, ça, je trouve ça super. Donc, c'est pareil, j'en avais entendu parler. J'étais contente qu'il me l'envoie. Merci, Clinique. Donc, c'est le Even Better Glow. Celui-ci, moi, je l'ai pris en teinte neutre. Donc, il a un SPF de 15. Et par contre, c'est le CN52. C'est le neutral. Il est un petit peu foncé. Donc, voilà, je l'ai mélangé, mais il est très bien. Alors, si vous voulez pas une grande couvrance, il va être top. Si vous voulez une couvrance totale, il va pas être assez couvrant. Voilà, moi, c'est ce que je préfère vous prévenir. Donc, moi, je l'ai mélangé avec mon teint idole Ultra Wear de chez Lancôme. Alors là, lui, il est beaucoup plus. Il a un SPF de 15, il a une tenue 24 heures, il est vraiment top. Franchement, je reviens dessus, je vous en avais parlé, il est vraiment extraordinaire. Ce que je reprocherais, c'est son côté un peu trop parfumé. Voilà, ça, c'est ça qui va me gêner. Mais sinon, son efficacité est top et c'est ce qu'on recherche. Après, le parfum s'estompe dans les minutes qui suivent, mais sur le coup, c'est ça qui va être un peu prenant. Moi, je l'ai pris en teinte light et je le mélange avec celui-ci. Donc, celui-ci. Il a un côté un peu plus glowy, mais sans en faire trop. Voilà, il floute bien. Il est vraiment
Il est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, je vais m'approcher un peu, n'ayez pas peur. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis du tout d'irisé ou quoi que ce soit. Et il va m'apporter un teint glow, mais ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Par contre, pour une couvrance totale, il ne sera pas assez couvrant. Donc, moi, je mélange les deux et voilà le résultat. Et moi, j'aime beaucoup le combo des deux. Ensuite, au niveau de mes paupières. Alors, je me suis acheté cette petite palette-là de chez Huda Beauty. Moi, je l'ai pris dans les tons mauve. Il y a aussi dans les tons bruns. Elle est super, super géniale. Donc, vous voyez, elle se compose comme ceci. Donc, j'ai mis cette couleur-là en creux de paupière. J'ai mis cette couleur-là que j'ai mis sur le haut de ma paupière, juste là. Je l'ai bien évidemment mis avec un pinceau spécial irisé et métallique et j'ai rajouté avant mon Fix Plus de chez MAC. Ça, celui-ci, sur le pinceau. Et comme ça, vous avez une pigmentation un peu plus prononcée. Ensuite, j'ai flouté, j'ai fait un peu plus smoky comme c'est le réveillon. Donc, j'ai mis cette couleur-là que j'ai mélangée avec cette couleur-ci. Voilà, et juste en bas, en ras de cils, j'ai mélangé cette couleur-ci avec cette couleur-ci. Voilà, cette palette-là est très bien, elle est un peu poudreuse, mais elle est bien pigmentée. Et voilà, si vous ne voulez pas mettre cher dans la Desert Dust, qui est quand même un peu beaucoup cher, c'est malheureux. Mais celle-ci, c'est un beau compromis, et les tons bruns, peut-être que je vais l'acheter aussi également. Et je ne suis vraiment pas déçue, en plus il y a un miroir et tout, elle est aimanté, donc là pas de casse dans le sac si vous voulez la transporter. Ensuite, au niveau de mon teint, j'ai sculpté mon visage. Voilà, je fais toujours un petit peu de contouring, mais très très léger. Hein. Donc, notamment avec mon bronzer de chez BK, moi je l'aime beaucoup. C'est celui-ci. Donc, moi je l'ai en teinte Capricoste. Voilà, et il est très lumineux, il est très joli. Moi je l'aime beaucoup. Ensuite, sur mes joues, j'ai également mis mon extra dimension de chez MAC, celui-ci. Voilà, parce que lui, il a un petit côté irisé et je trouve que pour les fêtes, vous voyez, il est vraiment super. Franchement, si vous hésitez chez MAC, de vous prendre un blush, moi, je vous conseille celui-ci, c'est le Holstein Tone. Voilà, excuse me pour le prononciation in English. Mais vraiment, il est vraiment bien. Il se décline en d'autres couleurs, mais moi, je préfère les tons assez orangés, corail. Voilà, c'est je trouve ces couleurs-là qui me vont mieux au teint. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, j'ai pas mis de rouge, parce que moi, le rouge, non merci. À part mon joli rouge que j'avais déjà mis, mais je n'allais pas vous présenter, j'ai mis, vous savez, mon petit duo de chez MAC, ils ont sorti le crayon et le rouge aux lèvres. Donc, c'est ce que j'ai mis. Donc, le rouge à lèvres, c'est le Velvet Teddy. Et le crayon qui va avec, je vais m'approcher. Voyez. Le crayon qui va avec, je vous tire la teinte. C'est le Boldy Bar. Voilà. Et j'aime beaucoup. Alors, comme moi, j'ai une lèvre fine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit gloss sur le creux de ma lèvre. J'ai notamment mis le Marvelous Moxie de chez Bare Minerals. C'est celui-ci. Il a un effet un peu mentholé, mais voilà, je trouvais le combo assez sympa. Et ça permet d'avoir un peu des lèvres, un peu tricher un petit peu, d'avoir les lèvres un petit peu plus pulpées. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau de mon anti-cerne, bah, sans surprise, je me sers beaucoup de mon anti-cerne de chez Benefit. On n'en parle pas assez non plus, le concealer. Je l'enteinte 02. Moi, je n'ai pas trop de cerne prononcée, donc voilà, ça va. Donc, il est comme ceci. Il illumine votre regard. Il ne file pas dans les plis. Il tient toute la journée. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est une belle découverte, Benefit. Voilà. Si vous cherchez un concealer lumineux et qui tient toute la journée, voilà, allez essayer. Vous allez voir, vous allez être conquise. Ensuite, au niveau de mon crayon contour des yeux, j'ai mis le marron de chez Black Up que j'ai estompé. Parce que je ne vais pas aller très franc comme ça. Ça, c'était dans les années 80. Moi, je vais montrer et je viens estomper avec un pinceau pour flouter un petit peu. Surtout, bien important, les filles, flouter, 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 estomper, estomper votre fard à paupières. Ça sera encore plus joli.
Ensuite, je crois que j'ai fait le tour pour bien fixer son maquillage. Surtout, moi, j'ai le MAC, le Fix Plus qui est super. Il est enrichi, il hydrate vraiment très bien. Mais vous avez d'autres aussi fixants pour maquillage. Donc ça va tenir toute la journée, toute la soirée, toute la nuit si vous faites danser et tout ça. Ça, c'est génial. En plus, si vous avez mis votre baume éclat de chez Clarins, là, c'est bon, vous êtes parti pour être au top, au taquet pendant ces 2 jours. Donc voilà, moi, j'ai rajouté ça par-dessus. Ensuite, au niveau de l'highlighter, je ne l'ai pas mis. Je me suis dit que je vais le mettre avec vous. Donc là, j'ai pris le highlight de chez BK, celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Preside, voilà. Donc c'est le best-seller en fin de compte. Hein. Donc il se présente comme ceci. Il a un peu irisé, rose irisé. Et je trouvais que ça allait bien avec mon make-up. Donc je prends toujours un pinceau éventail. Donc celui-ci, c'est un pinceau de chez... je crois que c'est Jolicius, je crois. Je sais plus. Il n'y a pas de numéro, mais moi je préfère faire ça. J'en prends un tout petit peu, je viens estomper et j'en mets là, simplement. Voyez, pour donner un effet de, vous savez, de joue, de pommette un peu plus rebondie, remontant. Parce que vous savez que quand on va arriver dans l'âge, on va avoir tout qui va retomber. Oui. Et donc là, ça permet de tricher, on va dire un petit peu, hein, pas beaucoup. Et ça reste discret. Ils sont vraiment très bien ces highlights. Regardez. C'est pas beau. Est-ce que c'est pas Thibaut? Franchement. On peut en mettre un petit peu sur le nez. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi en mettre un petit peu sur la carte de Cupidon. Moi, j'en mets pas. J'en mets juste là. Après, si vous avez un décolleté ou alors un décolleté bateau, vous pouvez aussi en mettre un petit peu sur vos clavicules, vos épaules. Voilà, ça va faire. Ça fera sympa. Après, vous pouvez jouer avec de la lumière. Hein. Rien n'est interdit dans le make-up. C'est pareil, moi j'utilise celui de chez BK. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un highlight de chez BK. Si vous avez une palette avec un fard irisé blanc ou crème, c'est pareil, ça fera aussi bien son job. Sauf que ça ne sera pas la marque. Mais pareil, vous pouvez l'appliquer exactement comme je viens de le faire. Voilà, c'est comme le fard sur les paupières. Si vous n'avez pas de palette de fard à paupières adaptée, vous avez un bronzer, bah, c'est pareil, vous mettrez en creux de paupières votre bronzer, ça fera exactement le même job. Et là, moi j'ai mis celui-ci, vous savez, sur ma paupière mobile. Vous prenez, si vous avez un irisé, pareil avec un fixant, et vous venez, pareil, le tapoter au niveau de votre paupière mobile. Voilà, vous pouvez jouer avec tout. De toute façon, c'est pas parce que c'est une palette, il faut absolument le mettre sur les yeux. On peut en mettre partout. Voilà. Donc c'est ça aussi que je voulais aussi vous dire aussi également. On n'est pas obligé de suivre toutes les règles et d'acheter tout, tout, tout. Après, ça vient très cher. Et voilà, non, on peut avoir des petites astuces comme ceci. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à la tenue. Au niveau de mes cheveux, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai mis simplement un peu de cire sur les pointes et c'est tout. Vous voyez, comme j'ai fait mon petit dégradé dans le bas, donc ça allège un petit peu le mouvement. Au niveau de mes boucles d'oreilles, j'ai mis les boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Zara il y a quelques temps. Voilà, j'ai trouvé sympa. Peut-être que je mettrai peut-être des or, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai trouvé sympa celle-ci. Donc, vous voyez, on les voit bien. Au niveau de mon haut, j'ai mis un haut que j'ai acheté chez Morgane. Donc, c'est la collection de chez Caroline Receveur. J'aime beaucoup. C'est une blouse avec les manches évasées. Voilà, il y a un choker adapté. Il est très bien. Je l'ai rentré un petit peu sur le devant de mon pantalon. En bas, je porte. Alors, je vous emmène avec moi. Je porte un pantalon en enduit ciré noir. Ça, on en a tous un. Voilà. Et au niveau de mes pieds. De mes chaussures, je porte des boots en velours de chez Mango. Voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà pour mon look du 31. Voilà, je trouve ça voilà, sympa. J'étais en robe le 24. Je me suis dit que le 31, voilà, j'allais m'habiller comme ceci. Peut-être que j'aurai peut-être les cheveux attachés. Je sais que vous m'aimez beaucoup avec les cheveux, le chignon, les cheveux attachés. Peut-être, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc voilà tout le monde pour mon petit
Look du 31, des fêtes de Noël. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, avant de vous quitter, je tenais absolument à vous remercier, vous. Merci pour cette belle année passée avec vous. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour les belles, les jolies rencontres que j'ai pu faire à travers ma chaîne, à travers mes vidéos. Merci pour votre réactivité. Merci d'être tout le temps présente à côté de moi, à mes côtés. Ça me fait super plaisir. Voilà, je suis émue et je vous embrasse bien fort. Je voulais également remercier la plateforme Octoly de m'avoir permis et toutes les marques de m'avoir permis de tester leurs produits. Merci beaucoup à eux. Merci également à la plateforme Avancy également. Merci à toutes les collaborations que j'ai pu avoir en 2017. Notamment, je pense, je vais en oublier, excusez-moi, mais voilà, il y en a eu vraiment beaucoup. Et merci beaucoup. Donc, notamment, il y a eu Grand Malice, il y a eu Minastorm, il y a eu Chine, il y a eu Romwe, il y a eu Rosegal, il y a eu Ligne D pour les bijoux. J'ai oublié de vous en parler. Je porte ma bague aussi, Ligne D, couleur dorée avec le pompon noir. Je vous invite à aller voir leur site. Ils ont vraiment des choses extraordinaires. Merci aussi Zoé La Plume et Style Bijoux pour leurs bijoux pompons. Merci à mes parfums préférés. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Merci pour toutes vos collaborations de m'avoir contacté. Voilà, c'était une belle année 2017. Et comme je vous disais, j'espère que 2018 sera encore plus belle. Voilà, la roue tourne et on verra ce qu'elle nous apportera. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier. Je vous souhaite un excellent réveillon. Profitez bien de vos amis, de vos familles, avec modération. Et nous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles et plus de vidéos, plein de concours, plein de nouvelles surprises et autant de bonne humeur. Je vous embrasse. Bien fort et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça, c'est le slogan, je vais tout le temps le garder. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.